Bonjour, vous allez bien? Welcome to another quick tutorial on FrenchStaticPeople.com. Today, you're going to learn 14 very useful sentences in French. Sentences that you can use in different practical situations. So, the first one is this: Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Could you help me, please? The second one: Je ne comprends pas. I don't understand. Je ne comprends pas. If you say it very slowly, it is Je ne comprends pas. But naturally, when you speak, you will say Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. The third one. Oui, je comprends. Oui, je comprends. Yes, I understand. Oui, je comprends. Let's move to the next one. Parlez-vous français? Parlez-vous français? Do you speak French? Parlez-vous français? Je ne parle pas anglais. Je ne parle pas anglais. I don't speak English. Je ne parle pas anglais. Again, if you say this slowly, it will be je ne parle pas anglais. Je ne parle pas anglais. But naturally, you'll say je ne parle pas anglais. Next one. Excusez-moi. Excusez-moi. Uh, you usually say this before asking something uh, or excusez-moi. If you need to excuse yourself, excusez-moi. Uh, donc, excusez-moi. Next one. Pourriez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? Again. Pourriez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? Which means, could you speak more slowly, please? And then I will say again, this time very slowly. Pourriez-vous. Parlez plus lentement, s'il vous plaît. Now, in a nice string of words, pourriez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? Next one. Comment dit-on je vous aime en anglais? Comment dit-on je vous aime en anglais? How do you say I love you in English? Comment dit-on je vous aime en anglais? How do you say I love you in English? next one. que veut dire mushrooms en français? que veut dire mushrooms en français? again. que veut dire mushrooms en français? what does mushroom mean? Uh, what does mushroom mean in french? Uh, que veut dire mushrooms en français? next one. comment s'écrit femme? how do you spell femme? comment s'écrit femme? how do you spell femme? Mm -hmm. You could also say, comment s'appelle femme? Which means the same thing. Épeler means to spell. Écrire means to write. So how do you write? How do you spell? But this is the same thing. Comment s'écrit? Or comment s'appelle? Comment s'écrit femme? Or comment s'appelle femme? Same thing. Next one. Pourriez-vous m'indiquer les toilettes? Could you tell me what the toilets are? Pourriez-vous m'indiquer les toilettes? Pourriez-vous m'indiquer les toilettes? And then a very important one. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? What time is it? Quelle heure est-il? Next one. Où se trouve la gare? Où se trouve la gare? Now, the way I just said it was. I should say quite slow um, if you wish to say that in a very Parisian way uh, you know Parisian way you would say Où se trouve la gare? so the so will become Où se trouve la gare? Où se trouve la gare? again Où se trouve la gare? versus Où se trouve la gare? so you could say both ways it's just fine uh, but I'm showing you the differences between où se trouve la gare and où se trouve la gare. Where can we find the station, the train station? And finally the last one on the list is Pouvez-vous répéter s'il vous plaît? -vous répéter s'il vous plaît? Can you repeat please? Pouvez-vous répéter s'il vous plaît? So here, do you see the do you see the pouvez versus pourriez at the very top? Pourriez-vous versus pouvez-vous? Pourriez-vous is more formal, uh, it's more uh, more polite. While pouvez-vous is simply can you and pourriez-vous could you. Uh, so that's the difference between pouvez-vous and pourriez-vous. So pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Can you repeat please? Versus pourriez-vous répéter s'il vous plaît? Could you repeat please? So that's the difference, okay? All right, I, I hope you found this uh, lesson very useful, and I will see you uh, soon. Merci, au revoir et bye-bye.